Les araignées communes ont 8 yeux. Si une araignée te regarde avec ses 2 yeux avant et 3 de ses autres yeux, quelle fraction de ses yeux te regarde? Déjà, pour te montrer que je n'ai pas inventé cette histoire d'araignées qui ont 8 yeux, voici ici quelques photos d'araignées. Et tu vois, par exemple, celle-là, elle a bien 8 yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yeux. À vrai dire, si on regarde bien les photos, ça fait un peu peur quand même. Mais bon, continuons notre problème courageusement. On nous dit que cette araignée, qu'il y a une araignée qui nous regarde avec ses 2 yeux avant. Donc par exemple, si on prend la première araignée, ses 2 yeux avant, ça serait celui-ci et celui-ci. Et on nous dit qu'elle nous regarde avec aussi 3 de ses autres yeux. Donc 3 de ses autres yeux, ça peut être cet œil-là, celui-ci et celui-ci. Et on aimerait savoir quelle est la fraction de ses yeux qui nous regarde. Donc on va écrire tous les yeux qu'on a entourés sous forme de fraction. Ses 2 yeux avant, c'est 2 yeux sur les 8 qu'elle a au total. Donc ça fait 2 huitièmes de ses yeux. Ça, c'est ce que j'ai entouré ici en bleu, ses 2 yeux avant. Mais on sait qu'elle nous regarde aussi avec 3 de ses autres yeux. 3 de ses autres yeux sur les 8 qu'elle a au total. Donc 3 sur 8. Et on veut savoir quelle est la fraction de ses yeux qui nous regardent. Eh bien, en fait, ce problème revient à faire une addition de fractions. Il faut additionner 2 huitièmes et 3 huitièmes pour trouver la fraction totale des yeux qui nous regardent. Et 2 huitièmes plus 3 huitièmes, tu sais faire, parce que tu sais que quand on veut additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs et de conserver le dénominateur, pardon. Donc, 2 huitièmes plus 3 huitièmes, on sait que le résultat va avoir comme dénominateur 8, et pour trouver le numérateur, on fait 2 plus 3. Et 2 plus 3, ça fait combien? Oui, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, on trouve 5 huitièmes. 5 huitièmes, c'est la fraction des yeux de l'araignée qui nous regarde.